وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مش أخير. Il y a eu ces derniers jours des actes criminels commis sur Paris et sa proche banlieue visant des civils innocents et occasionnant la mort de près de 130 personnes et 300 blessés. Ces actes de terrorisme perpétrés au nom de l'islam ont contribué à accroître les peurs et les tensions, à semer la confusion chez beaucoup de gens et à pointer du doigt la communauté musulmane de France et en premier lieu les salafis. C'est dans un souci d'apaisement et de recherche du calme et de la sérénité qu'il est nécessaire d'éclaircir la position des musulmans en général et des salafis en particulier face à ces atrocités, quelle que soit la forme qu'elles peuvent revêtir et quels qu'en soient les commanditaires. L'islam n'a pas attendu les tueries du 13 novembre 2015, ni les attentats perpétrés au début de l'année contre les journalistes de Charlie Hebdo ou autres attentats de ce type pour mettre en garde contre ces groupuscules terroristes et leurs exactions. Il faut avoir à l'esprit que ces groupuscules qui se réclament de l'islam sont sur la mouvance kharijite takfiriste. Kharijit par rapport aux Khawarij qui se sont rebellés contre Uthman et Ali radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, et takfiriste car ils ont porté l'anathème et la mécréance sur des croyants créditant ainsi la légitimité de pouvoir les tuer. Ces mouvances sectaires sont en ceci similaires aux premières sectes des Khawarij. Ces hérésies ont tout le temps existé et se sont amplifiées à certaines époques, plus qu'à d'autres, et ceci en regard de plusieurs considérations. Des considérations d'ordre géopolitique, des considérations d'ordre économique, politique, social ou autre. Ces mouvements extrémistes, kharijites, takfiristes, de ces dernières années, s'appuient sur l'idéologie directement ou indirectement de deux hommes. Le premier d'entre eux est Saïd Qutb, à travers ses écrits en langue arabe, et le deuxième est Abul A'la al-Maududi, qui a vécu au Pakistan et qui a été un vecteur principal dans la propagation de cette idéologie takfiriste en langue anglaise et ourdou. Quant à Saïd Qutb, il a vécu au milieu du XXe siècle, principalement en Égypte. Il intégra tout d'abord la confrérie des frères musulmans, après avoir passé toute une partie de sa vie dans l'athéisme et le communisme. Lorsqu'il est retourné vers l'islam, il a intégré la confrérie des frères musulmans, tristement connue pour leurs attentats politiques et leurs assassinats politiques perpétrés contre des personnes du pouvoir en place.
il développa des idées extrémistes similaires aux idéologies des Khawarij dans la critique des compagnons du prophète et leur dénigrement, dans la légitimité de se rebeller contre le gouverneur musulman jusqu'à le tuer si nécessaire, dans le fait de porter l'anathème sur les musulmans en les taxant d'infidèles et en rendant licite leur sang. Il fut amené par ses thèses à rendre mécréant l'ensemble des sociétés musulmanes de son époque et qualifier les mosquées de temples de polythéisme relevant du paganisme d'avant l'islam. Et d'autres paroles qui vont dans ce sens. Sa plume était connue et reconnue car homme de lettres, cet homme-là a réussi par son style et sa rhétorique à capter les cœurs les plus vulnérables et à subjuguer les âmes les plus sensibles et les plus faibles jusqu'à ce que ses écrits ont fait écho chez les musulmans, notamment les arabisants. Par la suite, des gens qui ont adhéré à ses idées sont apparus au grand jour et la naissance des groupes extrémistes et takfiristes a vu ou a connu un essor considérable dans les années qui suivirent. La résurgence de ces mouvements hérétiques a occasionné meurtre, destruction, anarchie, désordre social, voire politique et économique, dans les pays musulmans en premier lieu et dans l'Occident par voie de conséquence. La secte des Khawarij, barakallahu fikum, se caractérise de tout temps par des caractéristiques citées à titre de mise en garde par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyati. Ils quittent l'islam aussi rapidement que la flèche traverse la proie. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Leur foi ne dépasse pas leur gosier. C'est-à-dire que la foi est sur leur langue, mais elle n'atteint pas le cœur. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ils lisent le Coran, mais ce Coran ne dépasse pas leur clavicule. C'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas le cœur, ils n'en comprennent pas la teneur et la substance. Le prophète aussi a dit sallallahu alayhi wa sallam les qualifiant, ils emploient des termes attrayants et trompeurs. Vous mépriserez votre prière comparée à la leur et votre jeûne comparé au leur. Ubad. Ils sont jeunes et faibles d'esprit. Leurs paroles sont belles et attrayantes, mais leurs actions sont mauvaises. Ils sont les pires des créatures. Sharrul khalqi wal khaliqa. Ils appellent au livre d'Allah alors qu'ils n'ont rien à voir avec le livre d'Allah. Ils sont les chiens de l'enfer. Toutes ces paroles sont des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qualifiant ces gens-là et toutes rapportées par des chaînes de transmission authentiques. À cet effet, depuis les premiers temps, les dirigeants musulmans et à leur tête les califes bien guidés ont reçu l'ordre de les combattre. Et c'est ce qui différencie le Khawarij del Burhat. Le Khawarij, on n'attend pas qu'il porte l'épée ou qu'il lève l'épée pour les combattre. Alors que le Burhat, ceux qui se rebellent, on les combat seulement si et seulement si ils prennent l'épée ou ils transgressent. Quant au Khawarij, le prophète a ordonné de les traquer. Comme il le dit sallallahu alayhi wa sallam, où que vous les trouviez, tuez-les. Car il y a une récompense le jour du jugement dernier pour celui qui les tue, rapporté par l'imam al-Bukhari. Or, cette responsabilité, citée dans ce hadith du prophète, est réalisée sous l'ordre du gouverneur et des dirigeants musulmans et n'a pas à être accomplie par leurs administrés de manière isolée. Quoi qu'il en soit, l'ordre a été donné par le prophète
à chaque gouverneur musulman de traquer ces khawarij avec ses idées extrémistes et barbares. Tout ceci sont des idéologies inacceptables. Elles ne doivent pas être imputées à l'islam, car il est clair à travers une lecture consciencieuse des textes et objective que la croyance et les actes de ces groupuscules sont en opposition avec les préceptes divins et prophétiques. Tout ceci ne fait qu'appuyer et affirmer l'innocence de la grande religion de l'islam de ces actes barbares et criminels. Bien que tous les khawarij wa takfiriyin wa man lafalafahum soient des hérétiques et des égarés, leur égarement aux principes de l'islam peuvent varier jusqu'à y trouver des apostats. C'est pour cette raison que nous trouvons certains des compagnons du prophète qui considèrent les khawarij comme des mécréants à part entière au regard des paroles du prophète qui ont été citées à leur sujet. Parmi ceux-ci, le compagnon Abu Umamah al-Bahili radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui a dit, et ceci après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu les dépouilles de ses khawarij, il a dit Kilabun nar qad kana ha'ula'i muslimin fasaru kuffara. Les chiens de l'enfer, ils étaient musulmans et sont devenus incrédules et mécréants. Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi a dit concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont les pires dépouilles sous la surface du ciel, alors que les meilleures victimes sont celles qu'ils ont tuées. Cheikh Al-Islam dit en commentaire de ce hadith, cela signifie qu'ils sont plus nuisibles aux musulmans que n'importe qui. Car personne n'est plus nuisible aux musulmans qu'eux, pas même les juifs et les chrétiens, puisqu'ils s'évertuent à tuer chaque musulman qui n'adhère pas à leur point de vue, rendant licite le sang des musulmans, leurs biens et le meurtre de leurs enfants tout en les taxant de mécréants. Ceci nous rappelle des choses à notre époque. De plus, ils considèrent cela comme un acte de dévotion en raison de leur grande ignorance et leur innovation qui a causé leur égarement. Rappelez-vous, celui qui a tué Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Mujim al-Muradi, lorsqu'ils l'ont attrapé et lorsque sa tentative de meurtre a échoué, juste avant de se faire exécuter, il a demandé à son bourreau de ne pas lui couper la tête et de ne pas le tuer en une seule fois. Mais il a dit « Coupe mes membres un par un afin que je les voie se faire châtier dans le sentier d'Allah. » Qui a dit ça? Celui qui a voulu tuer Ali ibn Abi Talib. Un des poètes de Khawarij, Imran ibn Hattan, a qualifié et a vanté cette personne, Abdurrahman ibn Muljim, et a vanté son acte en disant « Ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min zil arsh ridwana inni la azkuruhu yawman fa ahsabuhu aw fal bariyati inda Allahi mizana. » Imran ibn Hattan al-Khariji a dit de Abdurrahman ibn Muljim: ce fut un coup porté par un homme pieux, ne recherchant que l'agrément du détenteur du trône. Il m'arrive parfois de me le remémorer et je le considère comme ayant celui à la balance la plus lourde de bonnes actions auprès d'Allah. Alors, un des savants de la Sunna a réfuté sur ce vers de poème et a dit « Ya darbatan min shaqiyin ma arada biha » illa liyablugha min dhil arshi khusrana inni la azkuruhu yawman fa ahsabuhu ashqal bariyati 'inda Allahi mizana. » Ce fut un coup porté par un homme misérable, ne recherchant que la perdition auprès du détenteur du trône. Il m'arrive parfois de l'évoquer et je le considère comme ayant la balance la plus lourde de mauvaises actions auprès d'Allah. Mes frères,
Les derniers attentats prouvent clairement que ces gens-là n'attachent aucune espèce d'importance aux musulmans de France. Et encore moins aux non-musulmans. Car lorsqu'ils ont tiré en rafale, ils n'ont fait aucune distinction à savoir s'il y avait en face d'eux des musulmans ou des non-musulmans, des civils ou des militaires, des hommes ou des femmes, des vieillards ou des plus jeunes. Qu'est-ce que c'est que cette barbarie ? De même, ce groupe de Daesh, puisque ce sont eux qui ont revendiqué l'attentat ou les attentats, ces groupes-là ont fait aussi et ont frappé aussi dans les pays arabes, comme en Libye et en Égypte. Ceci nous prouve bien, mes frères, barakallahu fikoum, que ces gens-là ne nous considèrent pas comme musulmans et qu'ils n'attachent aucune espèce d'importance à la vie des musulmans et à la vie tout court. Il est interdit en islam d'intenter à la vie d'innocents, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur race, quel que soit leur sexe, quel que soit leur niveau social. Ceci est strictement interdit. Comme il est interdit de mettre en péril leur sécurité et leur stabilité. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihat al-jannah walau kana rihuha min masirati 40 ama » Rapporté par l'imam al-Bukhari. « Celui qui tue une personne tenue par un pacte de non-agression » ne sentira pas l'odeur du paradis, bien que son odeur soit perceptible à une distance de 40 ans de marche. Pour tout ceci, les savants de tout temps ont mis en garde contre ces mouvements sectaires et destructeurs. Comme la parole de Cheikh l'Islam qui a dit, « Les adeptes de la sunna sont unanimes quant au fait que les khawarij sont des innovateurs égarés et qu'il est obligatoire de les combattre conformément aux textes authentiques. » Une des actions les plus vertueuses accompli par le chef des croyants Ali, fut de combattre les Khawarij, et ceci avec le consentement des compagnons. Fin de citation. À notre époque, et ceci est un fait, personne n'a réfuté fermement les Khawarijites, Khawarij, Takfiri, extrémistes, avec argument, justice, constance et détermination, comme l'ont fait les savants salafis, les institutions et les mosquées salafis comme celle-ci, et les prédicateurs salafis de tout horizon. Ils ont été à l'avant-garde dans la mise en garde contre ces extrémismes. Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Rabi', Cheikh Zayed Al-Madkhali, Cheikh Muqbil, Cheikh Najmi, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Jabiri, Cheikh Mohammed Al-Madkhali, Cheikh Al-Ghudayan ou Cheikh Raslan, tous ont mis en garde de manière explicite et claire contre ces mouvances, jusqu'à mettre pour certains, leur propre vie en péril et en danger. Au regard de tout ce qui a été dit, il est quand même étonnant de voir certaines personnes imputer ces actes-là au salafi ou au salafisme, ou de prétendre que le salafisme est le terreau du terrorisme. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Accuser le salafisme, ce n'est qu'accuser l'islam. Car le salafisme et l'islam, c'est une seule et même chose. Les seuls à combattre réellement et dénoncer ouvertement ces actes barbares, ce sont les salafis, au risque même de subir des violences de la part de ces gens-là plus ou moins directement liés et proches de ces mouvances extrémistes ou de se faire accuser de traître, comme ceci a déjà été vu. Il ne fait aucun doute que le salafisme combat toute forme d'hérésie et d'extrémisme par tous les moyens qui sont légiférés par la loi française, comme la propagation de livres, de dépliants, des cours, des conférences, l'exhortation, le bon conseil. Tout ce qui nous a été donné en notre pouvoir, nous l'avons utilisé pour combattre et mettre à jour les exactions de ces gens-là. Certains savants, et même les savants du manière générale, conseillent et demandent de dénoncer aux autorités et même aux autorités françaises toute personne qui serait liée à des actes de terrorisme ou à ces mouvances-là de loin ou de près, à la condition d'être sûr de son témoignage. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين Mes chers frères, en temps de troubles et d'épreuves, il convient aux musulmans d'adopter une ligne de conduite qui doit être calquée sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons et des gens vertueux. Cette ligne de conduite repose sur les points suivants. Premièrement, s'empresser d'accomplir les actes vertueux avant que les troubles n'arrivent. S'occuper et s'affairer à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala plutôt que de passer son temps à écouter et relayer les catastrophes et les choses qui touchent les musulmans d'une manière générale. Ceci est corroboré par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète a dit « Badiru bil a'mal fitanan ka qita'i l'layli l'muzlim yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya » Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Empressez-vous d'accomplir des actes vertueux avant que n'arrivent les troubles comparables à des lambeaux de ténèbres obscures. L'homme est de bon matin croyant et il devient au soir mécréant. Ou bien il est au soir croyant et devient de bon matin mécréant. Il vend sa religion pour un bien de ce bas monde. » Ceci peut être expliqué sous deux volets différents. Le premier, c'est de dire que les actes vertueux seront pour toi comme une protection contre ces troubles et ces épreuves. Car Allah tabaraka wa ta'ala ne laisse pas au dépourvu une personne qui est affairée à l'adoration d'Allah et il le préservera de toute calamité et de tout trouble. La deuxième explication qui vient aussi appuyer celle-ci, le fait de s'empresser d'accomplir ces actes vertueux avant l'apparition des troubles contribuera à ce que tu ne sois pas touché et influencé par ceci. Car lorsque les troubles apparaissent, ils touchent les gens les plus vulnérables, les plus faibles de foi, les moins ancrés dans la science. L'accomplissement des bonnes actions viendra justement pallier à tous ces défauts. Et dès que ces troubles arrivent, il faut savoir que la plupart des gens sont influencés par ceci. Allah dit tabarak wa ta'ala wa minan nas man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khayrun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin. Il y a des gens qui adorent Allah marginalement, avec laxisme, avec désintéressement. Lorsqu'un bien le touche, il s'en réjouit. Et lorsqu'un mal le touche ou une épreuve le touche, tu le vois retourner sur ses pas, mais détourner son visage, perdant ainsi le bénéfice de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été touché par ce mal et par ces troubles et par ces calamités? C'est le fait qu'il adore Allah avec marginalité. Al-harfin. Deuxième chose importante dans ces périodes difficiles, ne pas discuter et polémiquer sur les troubles et les épreuves qui touchent les musulmans, sauf en cas de nécessité et de besoin. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y aura des périodes de troubles. Celui qui restera assis sera meilleur que celui qui est debout. Et celui qui est debout vaudra mieux que celui qui marche. Et celui qui marche vaudra mieux que celui qui court. Et celui qui voudra les voir, ces troubles, sera entraîné par eux. Et celui qui trouvera un abri ou un asile, qu'il s'y réfugie. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, relayez les informations H24 et dire il s'est passé ceci, il s'est passé cela sans aucun intérêt, alors qu'à la base, le musulman dans ces périodes doit s'affairer à l'adoration d'Allah et aux actes vertueux, alors ceci est un manquement dans la religion qui peut toucher le cœur. Troisième et dernière recommandation, la patience. Car la patience est une vertu. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, وإن الفرج مع الكرب وإن النصر مع الصبر وإن مع العسر يسرا. Et certes, la délivrance succède aux angoisses et le secours succède à la patience et la facilité succède à la difficulté. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala واستعينوا بالصبر والصلاة. Et cherchez le secours à travers la patience et la prière. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا
واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ونسأله تبارك وتعالى أن يعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا فاقدا إلا أعطيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم وقل رب زدني علماً